pour s'offrir ce tableau de Van Gogh intitulé « Raccommodeuse de filets dans les dunes », un collectionneur américain a déboursé plus de 7 millions d'euros. Ce tableau peint au début de la carrière de l'artiste était estimé entre 3 et 5 millions d'euros. Selon la maison de vente Arcurial, cette vente aux enchères d'un paysage de Van Gogh, période hollandaise, serait un record du monde. Il faut savoir que les Van Gogh, il n'y en a pratiquement plus sur le marché, qui n'existent plus, sont pratiquement tous dans les fondations et dans les musées, et donc les acheteurs sont prêts à surpayer et à payer pour une œuvre de cette qualité et de cette ampleur. Cette œuvre a été réalisée en 1882 dans une campagne proche de La Haye. Vincent Van Gogh avait alors 29 ans.